Salut Taillefer! Oh, salut Jeannot! Comment vas-tu? Ah, ça va bien. Quel bon vent t'amène à chez Méré? Les outils à réparer. Encore? Et un tas de fer à cheval usé. Eh bien, tu es joyeux aujourd'hui? Comment ne pas être heureux par une si belle journée? C'est vrai. Il y a moins de nuages que d'habitude. Et quand on habite un si beau pays, regarde cette campagne! Ces beautés de la nature. Je crois que tu as surtout rencontré une certaine beauté de la nature. Oui, Taillefer, c'est vrai. Et comment s'appelle-t-elle? Mais voyons. Des cheveux bruns, comme le seigle. Un rire clair comme un ruisseau. Marie, la fille du maire. Tu as deviné. Bravo. Et c'est réciproque? Bon, je l'espère. Nous n'avons échangé aucune parole encore. Seulement des regards. Mais depuis, je n'ai qu'une seule envie, chanter la beauté. Au bord de la douce Mayenne se cache un pays béni. Dans ses champs, j'ai cueilli des joies et des parle peu, ils travaillent beaucoup, mais ils savent boire un coup et rire au coin du feu. Au bord de la douce Mayenne se cache un pays béni. Dans ses champs j'ai cueilli des joies et des peines. C'est là mon domaine, mon paradis. Vois au pied de la petite maison grise, c'est là-bas que m'attendent deux yeux couleur bleu tendre. Lorsque viendra la mort pour m'ôter ce corps, je demande une prière et qu'on me mette en terre. Au bord de la douce Mayenne, cachée au pays béni, dans ses champs des peines, l'éternel domaine du paradis. Bravo! Magnifique! Épatant! Merci. Superbe. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans notre beau pays. Merci, citoyen. La belle jeunesse patriote. Comment t'appelles-tu? Jeannot, pour vous servir. Jeannot. Eh bien, Jeannot, tu n'as pas l'air bien riche. Non, monsieur, mais je suis né de parents honnêtes. Et comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur ne vient pas du nombre des monnaies. Eh tiens, un paysan lettré. Nous autres paysans aimons la culture. Tu te moques de moi? En fait, j'ai appris à lire chez le curé de la Bazouge, le village d'à côté, car mes parents n'avaient pas d'instruction. Courage, citoyens! La République va supprimer pour toujours ces inégalités. Dis-moi,
Peux-tu me conduire chez le maire? Chez le maire? Mais bien sûr, par ici. Jeannot, méfie-toi, ces gars sont bien louches. Alors Marie, tu m'as l'air bien songeuse. Oui. Je parie que tu penses à quelqu'un. Eh bien, cela a 15 ans, mais cela est déjà fort perspicace. Mais je te connais, tu es ma sœur. Je parie que tu penses à... Jeannot. Comment as-tu deviné? Facile. Je me souviens. C'était à la sortie de la messe, à Pâques. Tu lui as souri et tu l'as regardé avec des yeux d'une douceur. Rien ne t'échappe, petite sœur. Pourquoi la Révolution a-t-elle chassé tous nos prêtres? Depuis qu'il n'y a plus de messe, je passe tous mes dimanches confinés ici. Voilà des mois que je n'ai pas revu Jeannot. C'est pour ça que tu étais toujours si pressée d'aller à l'église. Et moi qui te prenais pour une fille pieuse. Mais je le suis. Mais être pieuse n'empêche pas d'être réaliste. Sache que les sorties de messe sont de très bonnes occasions de faire de nouvelles rencontres. Je parle de rencontres sérieuses, bien sûr. Et Jeannot est une rencontre sérieuse. Jeannot, le paysan poète. Tais-toi. Et lui, est-ce qu'il partage tes sentiments? Je l'espère. Ah, quand le reverrai-je? Marie, j'ai peur. Les hommes sont devenus fous. Ils veulent tout changer. Les semaines, le calendrier, la religion. Allons. Allons. Souviens-toi ce que monsieur le curé nous a dit avant de partir pour l'Angleterre. Prier le chapelet, faire confiance à Dieu et ne pas aller aux messes des prêtres jurés. À propos, la voisine dit que dimanche, il y aura une vraie messe dans la commune. C'est vrai? Qui est le prêtre? L'abbé Pierre Bachelier de la Bazouge. Il faut que j'y aille. Pas un mot de cela à personne. Les filles, restez. Tout le village est convoqué sur la place de l'église. Les amis, venez. Monsieur le commissaire, comme vous l'aviez demandé, j'ai convoqué toute la population. Citoyens, entre patriotes, on se tutoie, c'est la règle. Comme vous voulez. Comme tu veux. Mes amis, j'ai écrit aux autorités départementales. Ici, à Chémery-le-Roi, nous sommes attachés à la religion catholique. Et nous demandons le retour de notre curé, l'abbé Baudouin, et de son vicaire. Le commissaire Bouvet, ici présent, va nous donner la réponse des autorités, que j'espère positive. Citoyens! Au nom du comité révolutionnaire de la Mayenne, écoutez mon discours. Oubliez le passé. Regardez l'avenir. La révolution est en marche. Le peuple, après des siècles d'esclavage, a rompu ses fers et retrouvé la liberté. Je vois vos visages s'illuminer à mon discours. Monsieur le Parisien, il n'y a pas d'esclaves ici. On a toujours été des hommes libres. Eh bien, vous le serez encore plus.
Mes amis, mes frères. Retourne d'où tu viens. Mes patriotes, citoyens. Écoutez mon discours. On en a assez entendu. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité. Un nouveau jour se lève. Porte la joie en nos cœurs. La liberté n'est plus un rêve. Les droits de l'homme sont vainqueurs. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité. Dans la France nouvelle, les citoyens sont tous égaux. Plus de corvées ou de gabelles. Les aristos paient les impôts. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité. C'est la démocratie. Le peuple élit ses gouvernants. Chacun peut libérer sa vie et peut s'exprimer librement. La liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté, l'égalité, la fraternité. Chassons l'obscurantisme qui, par les clartés de la raison, freinons le fanatisme qui freine la révolution. La liberté, l'égalité, la fraternité. 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 Allez, la liberté, l'égalité, la fraternité. La liberté. L'égalité, la fraternité. Allez, allez. La liberté, l'égalité. Bah, vive la liberté. Vive la liberté. Vive l'égalité. Vive l'égalité. Alors, à bas la justice. À bas la justice. À bas les privilèges et les impôts. À bas les impôts. Pourquoi ? Ils n'ont rien fait de mal ! Comment ils n'ont rien fait de mal ? Baudouin, le ci-devant curé, et Georget, le ci-devant vicaire, ont refusé de prêter le serment de fidélité à la Constitution. C'est faux ! Ils ont prêté serment. Nous les avons entendus. Oui, mais avec une réserve. Sous réserve de la foi et des droits de l'Église. Ça ne compte pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça ne fait qu'il faut. Il faut une fidélité absolue à la République. Et la liberté? Une soumission. Et la liberté, mais justement, citoyenne, par cette soumission, vous allez vous libérer du fanatisme. Logique. Monsieur le commissaire, je m'appelle Michel Jacquet, maréchal ferrant de mon état. On me surnomme Taillefer. Ici, à Chéméré-le-Roi, on vit en bon chrétien. On veut bien croire à vos promesses. Mais on veut d'abord le retour de nos curés. Mais vous aurez des curés, de bons curés. L'État va vous choisir des curés qui prendront soin de vos âmes et qui surtout seront fidèles à la République. Mais nous, ce sont des curés fidèles à l'Église catholique que nous voulons. Écoutez, vous pouvez nous frapper, nous tuer,
Vous ne ferez pas changer de religion. Oui, bien entendu. Mais vous n'allez pas le faire. Un salon. Allez. On vous forcera, bande de fanatiques, à être libres malgré vous. Ratez. Malgré vous. Ratez. Alors, allons. C'est le moment de faire la poule mouillée, ressaisis-toi. J'ai une mission pour toi. Jeannot. Jeannot. Marie. Allez, Jeannot. Ils sont partis. Jeannot. Jeannot. Incroyable. Mais il n'y a plus aucun homme dans ce village. Moi, je suis là. Marie. La douce Marie, pleine de courage. Marie, va à Saint-Jean-sur-Erve, porter ce message à qui tu sais, qu'il rassemble des armes. Il paraît que la Bretagne et le Poitou se soulèvent. Il faut qu'on se prépare, nous aussi. Et Balai ? Laisse tomber Balai, ils sont complètement bleus. Leur curé a prêté serment. C'est pas pour rien que la garnison s'y est installée. Allez, file, je vais chercher des hommes prêts à se battre. Sont là. Ces hommes sont ignobles. Quand on sait ce qu'ils font dans les régions qu'ils traversent. Les pillages et les autres horreurs dont on ne peut pas parler. Et Jeannot s'est enfui. Comment l'âge ? Il me dégoûte. Poudre, médicaments, aux gants. Qui n'a pas ces médicaments? Tisane, pommade, calmant. Allons, ma fille, il ne faut pas pleurer quand on est si jeune et pleine d'avenir. Oh. Qui êtes-vous? Je suis marchand ambulant, marchand de médicaments. Tenez, prenez ce mouchoir. Un sacré cœur. Alors Marie, tu ne me reconnais pas? Père Bachelier? Mais mon père, faites attention à vous. Les bleus sont à quelques lieues d'ici. Bah, personne ne soupçonnera un pauvre marchand ambulant. Et pourquoi es-tu si triste? Jeannot est un lâche. Un poltron. Donc, tu l'aimes? Non. C'est fini. Je ne veux pas épouser une mauviette. Tu es déçue, Marie. Écoute-moi. Ne te laisse pas envahir par l'amertume. L'amertume rétrécit le cœur. Mon père, il paraît que vous dites la messe, demain. Tu es au courant? Oui, 2 heures après minuit, à la ferme de la Guyonnière. Très bien, j'y serai. Mon père m'accompagnera. Très bien. À demain, alors. Poudre, médicaments, aux gants. Allez hop, on réquisitionne. Je proteste. Chiméré le roi a déjà fourni sa part. On conscrit de force nos jeunes. On emprisonne nos prêtres. Et maintenant, on nous réquisitionne à double. Je me plaindrai au département. Je te le déconseille, citoyen maire. Déjà que tu es suspect de manque de patriotisme. D'ailleurs, le comité a décidé ceci. Par décret, le village s'appelle désormais
chimérer la République. Interdiction d'utiliser l'ancien nom. Et crois-moi, plus jamais on entendra parler de chimérer le roi. Allez là, petite dame, donne-moi ses pas. Oh, allez, la jolie pas. Fermière que voilà. Dommage que c'est que son mari soit au champ. Allez, aux armes, les chouans. Ils tombent partout. Repliez-vous. Ouvrez-moi. Ouvrez pas. Bande de maladies. On vous forcera à être libre. Deux blessés parmi les nôtres. Mais trois blessés chez les bleus. Et surtout, surtout, deux fusils récupérés à l'ennemi. Ainsi, continuons à les harceler. Taillefer ? Oui ? Qu'est-ce qu'on fait en cas de coup dur ? Où est-ce qu'on se cache ? J'ai fait creuser des cachettes dans le bois de la Charlie. Personne n'ira penser nous trouver là-bas. Allez, pour Dieu et le roi ! Pour Dieu et le roi ! Je ne suis qu'un lâche! Prendre ainsi la fuite! Devant Marie en plus! Maintenant elle me méprise, c'est sûr! Foudre! Médicaments! Au gant! Qui n'a pas ce médicament? Mon père? Vous ici? Tu m'as reconnu, Jeannot? Dis donc, ça va pas l'air fort. Mon père. Je ne supporte pas, je ne supporte plus la violence. Au moindre affrontement, la peur m'envahit et je prends la fuite. Je prends mes jambes à mon cou. Je ne suis qu'un lâche. Jeannot. Le courage ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais plutôt à la surmonter. Oh, pitié, épargnez-moi vos cours de théologie. Misère de moi. Elle me méprise. Que dis-tu ? Non, rien. Jeannot, tu sais servir la messe, n'est-ce pas? Pourquoi, vous allez célébrer une messe? Oui, demain matin, 2h après minuit. Mais enfin, vous êtes fou. On va vous dénoncer. Tout se sait dans la région, les bleus sont partout. Le bien des âmes vaut bien quelques risques. Non, non, ce sera sans moi. Dommage. Alors je demanderai à monsieur le maire de servir. Il vient. Avec sa fille aînée. Le maire vient. Avec sa fille aînée? Oui. Eh bien, je peux peut-être me rendre disponible alors. Ah. Merci, Jeannot. Je savais que je pouvais compter sur toi. À demain. À demain.
Je vais pouvoir commencer la messe. Au nom de la République, ouvrez ! Les bleus. Prêt à remonter ! Au nom de la République, je vous arrête ! Et moi, au nom de Dieu, je vous pardonne ! Ne lui faites pas de mal ! Qu'on l'emmène aussi ! Allez, debout ! Restez fidèles à ce que je vous ai enseigné, mes amis ! Nous avons été dénoncés ! Oh. Mon Dieu ! Jeannot ! Le père Bachelier ! Que vont-ils devenir ? Ils sont perdus ! C'est trop de douleur ! Un nouveau martyr. Mon Dieu. Notre bon père Bachelier. Ils nous ont amenés à la crypte. Là, ils ont massacré le père à coups de baïonnette. Ils croyaient m'avoir tué aussi. Mais j'ai réussi à me tirer jusqu'ici. Mais tu es blessé ? Non, ce n'est rien. Tiens, voilà justement la personne que j'attendais. J'arrive trop tard. Taillefer. Eh, Jeannot. Je demande à combattre sous tes ordres. Toi, Jeannot. La mort du père Bachelier m'a rendu courage. Bienvenue chez les chouans de chez Méré. Rassemblement des hommes dans quelques heures. Allez, viens. Tu ne peux pas partir blessé comme tu es. Marie, ne me retiens pas. Mais, et nous ? Tu ne voulais pas d'un lâche. Maintenant, laisse-moi être courageux. Cruel ! Mais... Tiens. Avant de partir, prends ce souvenir de moi.
Tous les jours, je le serrerai contre mon cœur. Allez, viens, Marie.